Taïk et Fouvoudou proposent un ultime contemporain sur Formidable de Stromae. Une chorégraphie spectaculaire à l'image de toute la saison de ce couple de dingue, comme le souligne Camille Combal. Chris Marquez trouve Taïk si juste. J'ai envie de vous dire bravo à tous les deux. Vous ne pouvez pas faire plus pour dire aux gens « Votez pour moi ». C'était déjà formidable, mais on se sent formidable, formidable en vous voyant, à vous Jean-Paul. Peu importe ce qui va arriver ce soir, j'ai grandi artistiquement, n'arrêtez jamais d'essayer à lancer Taïk au public. Et voilà, Danse avec les Stars, c'est terminé. La saison 11 a été remportée ce vendredi 26 novembre par Taïk et Fouvoto devant le duo composé de Bilal Hassani et Jordan Mouirak. Michou et Elsa Bois terminent sur la troisième marche du podium. Face au jury composé de Denitsa, François Allu, Jean-Paul Gaultier et Chris Marquez, Taïk et Fauve ont remporté la victoire. Et normalement, Michou et Elsa Bois, qui ont fait une très belle prestation, ont été éliminés à la fin de la première manche, ne récoltant que 32 points après un freestyle sur le titre Grand Bain de Nino. C'était justifié, ils étaient un petit peu en dessous de Bilal et Taïk. Bilal, quant à lui, a enchaîné tout au long de la saison les premières places, mais il doit se contenter au final de la seconde place. Quel retournement de situation! Taïk, effectivement, était peut-être un petit peu en dessous au début, mais il a su, à force de travail et de persévérance, retourner la situation. Et le dernier jour, le jour de la finale, il est passé devant Bilal d'un souffle. Bilal, avec Jordan Mouirak, a notamment proposé en troisième danse un contemporain sur le titre Courage to Change de Sia. C'était magnifique, mais tout le monde a jugé que c'était en dessous du duo gagnant Taïk et Fouvoto qui a lui dansé un contemporain, donc formidable, de Stromae, exceptionnel de maîtrise, d'émotion. Et au final, Taïk et Fouvoto ont récolté 56% des suffrages des téléspectateurs, contre quand même 44% pour Bilal Hassani. Voilà, c'était pas serré, hein, puisque la victoire, elle est nette. 56-44, il n'y a pas à discuter, mais Bilal n'a vraiment pas démérité. Et Taïk est vraiment reconnaissant envers Fouve, puisqu'il dit « Pendant 3 mois, elle ne m'a pas lâché. » Elle m'a pris la main, elle m'a conduit vers cette victoire. Je lui dois tout. Et Taïk a partagé leur victoire, bien évidemment, avec elle. « Tu as été un sublime partenaire », lui a répondu Fauve, qui remporte, elle, l'émission pour la 3e fois. Un couple exceptionnel qui nous a enchantés pendant ces 11 semaines pour nous livrer chaque fois et de mieux en mieux des prestations qu'on a vraiment pris plaisir à regarder. On a l'impression même qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Il y a des bruits qui disent que peut-être il y aurait un petit début d'idylle entre eux. Non, il ne faut peut-être pas aller jusque-là. Ils sont professionnels et ils l'ont montré avec la qualité de leur danse, la progression qu'ils ont proposé de semaine en semaine. Il y a un travail formidable derrière eux et je crois que le choix de la chanson de Stromae résume vraiment bien leur parcours, leur duo, leur entente et également leur finale. Bravo à eux, bravo à tout le monde et merci pour ce magnifique spectacle.